Je ne peux pas vous pointer le nombre de fois que M. Pape est venu à Paris. Donc, franchement, il est chez lui, vous avez vu l'ambiance. Donc, les gens l'attendaient, la population l'attendait. Maintenant, par rapport à la campagne électorale, comment se fait la mobilisation? La mobilisation, nous avons opté pour la campagne de proximité. On a commencé depuis et ça va continuer jusqu'au bout. Bien sûr, bien sûr. Nous avons toujours gagné. Nous étions ce que vous savez. Sinon, on a toujours gagné. Quelles sont les solutions que vous avez prises cette fois-ci pour sécuriser, nos résultats? Et d'habitude, ce que nous faisons, c'est que nous avons le listinet indiqué en ligne. Et les gens prennent les lignes depuis le matin. Parce que nous donnons préparons à manger aux nos délégués. Donc les gens prennent les lits et le soir déjà à partir de 16h, tout le monde est en place au niveau des délégués pour la collecte des PV. Ça a toujours marché. Vous arrivez à voir les résultats, les vrais? Bien sûr, puisque nous arrivons à collecter les vrais PV des PV. Quelles sont vos conditions de vie à Badousse? Mais c'est la misère partout. Et c'est les producteurs de cacao, le cacao qui a donné un nom au Togo. Mais vous voyez, on ne dirait pas que avant on appelait Badousse Igalatiadi. Igalatiadi, ça veut dire on parle du cacao. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est la misère partout. C'est dû à quoi? C'est dû à la violence. Les choses ne sont pas gérées, vous le savez. C'est plus à moi de poser ça et de parler qu'à ça. Vous savez tout.